Eh bien, je suis donc dans les coulisses, plus que dans les coulisses, que je suis sur la scène ici à Universcience pour ce premier forum Changer d'air et à l'issue de l'atelier Digital Forum Society. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet atelier, en sortir ? Pour moi, ce qu'on peut en tirer, c'est d'abord le constat d'une assez formidable dynamique dans des générations jeunes et moins jeunes, mais notamment jeunes, qui vont s'appuyer sur les technologies numériques pour en gros prendre en main à la fois leur vie, mais un peu plus que ça, un environnement, un morceau de la société, un morceau de leur communauté locale, voire un problème du monde. Et donc là, il y a vraiment une dynamique qui bouscule, et on a bien vu d'ailleurs dans l'audience que ça bouscule nos référentiels, nos habitudes, la manière dont on va traiter le lien entre individuel et collectif. Et on a sans doute des choses à réinventer dans ce domaine-là. Alors, pourquoi le changement, c'est si long, quelque part ? Là, on doit changer d'air, il faut changer d'air. Mais par où on commence et pourquoi c'est si long ? Déjà, que je sache, le forum Changer d'air a 10 ans. Tout changement est long, pourquoi ? Parce que, alors, sauf si vous faites à un moment un acte de pouvoir, un acte militaire... Mais sinon, vous allez changer un bout de la vie, puis vous avez d'autres acteurs qui ont d'autres habitudes, intérêts, pratiques, etc. Dès que vous abandonnez l'idée qu'un changement peut venir de haut, et même d'ailleurs quand il vient de haut, c'est parfois long, mais dès que vous abandonnez cette idée-là, forcément c'est plutôt par des phénomènes de diffusion, de percolation, etc. Ça c'est long, c'est compliqué, c'est très souvent frustrant. Et en même temps, on voit bien que se passe énormément de choses dans ce champ-là. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais le changement en matière d'économie, dans toute une série de domaines de la société, des relations sociales, des liens sociaux, il est quand même présent. Merci beaucoup, Daniel. Merci.